Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Dans cette édition de notre émission autour du monde de mercredi, on essaie de vous présenter presque les grandes efforts qu'ils ont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine politique, économique, comme même dans le domaine de la sécurité et dans le domaine des échanges culturels. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière sur les priorités affichées par l'Égypte en ce qui concerne la région de la Corne d'Afrique. Bien sûr, l'Égypte essaye par tous les moyens de sauvegarder l'intégrité territoriale de chaque pays africain, notamment actuellement, avec plus de précision, dans la Corne de l'Afrique. L'Égypte essaye également par tous les moyens d'assurer la sécurité, d'assurer la stabilité au sein de ces pays de la Corne de l'Afrique, notamment dans la Somalie. Je parle de ça parce que dans le cadre de la série de réunions qu'il tient lors de sa visite actuelle à Washington, Dr. Badr Abdelati, le ministre égyptien des Affaires étrangères, a rencontré l'envoyé spécial américain pour la Corne d'Afrique, Mike Hammer, et l'assistance du secrétaire d'État pour les affaires africaines, Molly Fee. Bien sûr, il y avait des déclarations très importantes, mais nous devons tout d'abord prendre ce petit appel téléphonique de la part de notre expert dans le domaine de la sécurité, Monsieur le général Saïd Fathi. Monsieur le général, vous êtes toujours le bienvenu sur Nantes International. Oui, bonjour monsieur, merci beaucoup. Merci pour nous rejoindre à travers la ligne et encore une fois, bonjour et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous évaluez les priorités de l'Égypte vis-à-vis des pays de la Corne d'Afrique dans ce temps actuel? Bien sûr, je tiens à dire quelque chose de très important, c'est qu'après l'attentat qui a eu lieu contre l'ancien président Moubarak en 1994 en Éthiopie, il y avait une sorte de... Il y avait un moyen de diminuer les relations entre les pays africains, ce qui a mené bien sûr à une sorte de fabilité ou de faillité entre l'Égypte et les autres des différents pays africains. Bien sûr, ce qui a mené ou qui a donné l'occasion aux autres pays de s'interprétrer dans la Corne d'Afrique en général et dans les pays africains. Bien sûr, cette situation a duré pour quelques années et avec le nouveau président Sisi, la situation a complètement changé en face de la Corne d'Afrique en général, ce qui a permis de créer des nouvelles relations entre les différents pays africains avec l'Égypte. Bien sûr, nous avons, autant que pays égyptiens, des bonnes relations avec les différents pays africains et surtout la Corne de l'Afrique. Jusqu'à présent, je tiens à dire que les relations sont beaucoup améliorées. Ils ont beaucoup changé, la situation a eu des points très très élevés dans les différents domaines, soit sociétiques, soit dans les domaines sociétiques bien sûr, dans les échanges entre les différents pays, dans les différents moyens, ce qui a permis d'évaluer et bien de rendre la situation un peu claire entre les différents pays du Corne de l'Afrique et l'Égypte. Et nous constatons actuellement ce qui se passe bien sûr en Somalie actuellement. J'aimerais quand même vous poser une question concernant cette déclaration faite par notre ministre égyptien des Affaires étrangères qui a assuré la volonté de l'Égypte est de soutenir les efforts visant à rétablir la stabilité, la sécurité dans les pays de cette région, ainsi que les efforts visant à lutter contre le terrorisme, l'extrémisme, mais aussi la criminalité organisée. Donc, de votre point de vue en tant qu'un expert sécuritaire, comment ça représente, ou si je peux dire, la sauvegarde
de la sécurité et de la stabilité des pays de corne de l'Afrique font partie intégrante de celle de l'Égypte. Tout d'abord, je tiens à dire qu'il faut avoir un certain moyen de sécurité dans notre pays afin qu'on puisse avoir de très bonnes relations avec les différents pays africains et surtout de la Corne d'Afrique. Ce qui a mené bien sûr à avoir, bien sûr, il ne faut pas oublier, notre ancien ministre des Affaires étrangères, M. Sana Choukri, a joué un très grand rôle, très efficace dans ces différents problèmes et qui continue actuellement en Badr Abdelhati à suivre la même situation. Ce qui nous mène bien sûr à dire d'avoir de très bonnes relations avec tous les pays africains. Il faut prendre en considération, sans la stabilité, sans la sécurité, nous n'arriverons jamais à obtenir de très bons résultats pour, bien sûr, pour gagner ces pays africains et avoir de très bonnes relations gagnant et gagnant. Soit d'une part de notre pays, soit d'autre part par des pays, des différents pays africains. Je crois et je tiens à dire qu'actuellement, vraiment, c'est une vérité. Et surtout moi-même, moi personnellement, j'ai travaillé dans différents pays africains. Oui. Je tiens à dire que nous avons de très bonnes relations avec tous les pays africains. Ce qui mène à dire, bien sûr, que nous espérons d'avoir une certaine prospérité, quelque chose de bien. Et pour augmenter la valeur et les points très efficaces avec les pays africains et l'Égypte. Et je tiens à dire que nous cherchons toujours à être gagnants et gagnants. On n'arrive pas à avoir des bonnes relations entre les différents pays. Je dis en Afrique en général, car nous faisons une partie de ces pays africains. Et encore, c'est une manière de travailler avec les différents pays du monde. Oui. Il y a une certaine situation que le président de la République est en train de suivre, d'avoir de très bonnes relations avec tous les pays du monde en général. Je tiens à dire quelque chose qui est très important, c'est que si vous me le permettez, c'est que nous savions nous tous la situation entre notre pays et l'Éthiopie à cause de la barrage de la Renaissance. Oui. Jusqu'à présent, il y a eu une très grande patience de notre très grand responsable, le président de la République avec les grands responsables de notre pays, de ne pas essayer ou de créer des accrochages entre l'Égypte et l'Éthiopie ou n'importe quel pays africain. Nous travaillons avec une manière de patience et à la fin nous pourrons arriver à récolter de très bons résultats, mais il nous faut un peu de patience. Ouais. Oui. J'ai une autre déclaration faite par Monsieur le ministre, toujours pendant son séjour à Washington. Ça va, monsieur? Et toujours pendant sa rencontre avec de hauts responsables américains qui sont spécialistes de l'Afrique. Monsieur Badr Abdelhati a exprimé le soutien de l'Égypte aux efforts du gouvernement fédéral somalien. Bien sûr visant à favoriser la stabilité en République de Somalie, visant à soutenir les institutions de l'État central de la Somalie et visant à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. J'ai une question. Pourquoi l'Égypte essaie toujours par tous les moyens de renforcer les institutions étatiques des autres pays africains, comme ça se passe actuellement avec la Somalie? Si je peux dire, il y a toujours cette vision égyptienne visant à enraciner de plus en plus ces institutions étatiques. Pourquoi et comment l'Égypte essaye de faire ça? L'Égypte a un très grand rôle, très important, qui doit jouer avec les différents pays du monde et surtout en Afrique. L'Égypte est considérée un des grands pays africains. Et c'est la vérité, bien sûr. Il faut prendre en considération qu'à partir des années 60, la plupart des pays africains ont eu l'occasion, bien sûr, de lever
d'occuper, de se démarcher des colonisations qui avaient été occupées par les différents pays étrangers contre les pays africains. Ce qui mène à dire que l'Égypte a joué un très grand rôle à essayer d'aider tous ces différents pays, bien sûr, à se débarrasser de cette colonisation et de les aider dans les différents moyens qui ont eu besoin. C'est pour cette raison que les pays africains doivent jouer un rôle important avec l'Égypte, un rôle qui doit être respectueux entre les deux parts, soit de leur part ainsi que de notre part. C'est pour ça que je tiens à dire que nous sommes un match gagnant-gagnant pour les deux équipes. Et d'autre part, l'Égypte a beaucoup d'experts égyptiens qui fonctionnent et qui travaillent dans les différents domaines dans les pays africains. Ce qui tient à dire que, bien sûr, l'Égypte est un grand pays dans l'Afrique qui est bien respecté par les différents pays africains. L'Égypte respecte la souveraineté des autres pays africains. En même temps, l'Égypte essaye d'exporter ses expertises, ses expériences très réussies dans le domaine, par exemple, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, dans le domaine militaire, n'est-ce pas? Il faut prendre quelque chose de très important, c'est que, bien sûr, tout le monde actuellement se trouve en face du terrorisme. Sans la collaboration des différents pays, avec les différentes organisations mondiales, il faut qu'ils essayent de faire un travail commun pour essayer d'affronter ce phénomène-là. Bien sûr, l'Égypte, de notre part, a réussi à prendre des très grands pas pour essayer d'arrêter ce phénomène-là. Et finalement, nous avons réussi, grâce au bon Dieu, bien sûr, et à des efforts des différents qui ont été commis, soit par l'armée, soit par la police égyptienne, qui a essayé d'arrêter ce phénomène-là en Égypte. Et d'autre part, ces pays africains ont bien eu l'expérience de notre pays, qui ont essayé aussi de déployer dans leur pays pour essayer de mettre fin contre ce mauvais phénomène-là. Oui. Monsieur le général, je dois vous remercier infiniment, le général Saïd Fathi, notre expert dans le domaine de la sécurité. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements, de telles explications de votre côté concernant les priorités, concernant les objectifs affichés par l'Égypte vis-à-vis de la Corne de l'Afrique. Encore une fois, merci. Et donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. À la prochaine.